Bonjour et bienvenue sur Nuages Magiques, on continue sur la série des 200 000 km en modèle 3. Vous imaginez, ça fait une belle distance, donc ça fait aussi beaucoup de recharge. Et donc, je vais faire de cette vidéo un bilan sur la recharge. Vous serez tout d'un cas réel, sur le coût, sur le temps qu'on passe en charge, la puissance, comment ça, ça se passe l'hiver, bref, vous serez tout. A tout de suite. approche l'électrique, la recharge, c'est un point qui pose des questions, c'est un point qui peut stresser. Alors je vais prendre mon cas, mes 200 000 km, et vous expliquer comment ça s'est passé. Alors on va commencer par parler de gros chiffres. Pour parcourir 200 000 km, j'ai consommé... 2,21 gigawatts. Mon Dieu Mais enfin c'est quoi un gigawatt je vous arrête tout de suite les gigawatts ça n'existe pas et comme dans cette vidéo on va régulièrement parler d'unités de puissance et d'énergie ça vaut le coup de faire juste un petit rappel pour mettre tout le monde au niveau alors les gigawatts c'est pour la blague mais quand on parle de watts on parle de puissance on va parler souvent de kilowatts en voiture électrique et le mégawatt ce serait plutôt pour pour mesurer la puissance par exemple d'un réacteur nucléaire et si on devait aller plus loin ce serait du gigawatt en revanche pour parler de l'énergie là on va parler du kilowattheure on va parler du mégawattheure ou du gigawatt. -heure. Et là ça commence à être du très 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 lourd. Mais je sens que je peux encore en perdre certains. Donc on va revenir au basique. C'est pas toujours facile de faire la différence entre les kilowatts et les kilowattheures. Alors imaginez que le kilowatt, c'est l'énergie que je vais venir euh, mettre dans une bouteille. J'ai une bouteille, elle est pleine, il y a de l'énergie, c'est du kilowattheure que j'ai dedans. Et maintenant comment j'ai fait pour la remplir Ben bah, écoutez, j'ai mis cette énergie euh, avec une certaine vitesse. Euh, j'ai mis un certain temps pour pouvoir mettre cette quantité d'énergie dans cette bouteille. Et pour pouvoir euh, définir la vitesse avec laquelle je remplis ma bouteille, j'utilise la puissance, donc le kilowatt. Il y a de superbes vidéos, tutos qui peuvent vous expliquer bien mieux que moi la différence entre l'énergie et la puissance. C'est intéressant d'avoir ça en tête quand vous commencez à vous intéresser au monde de l'électrique. Et donc j'ai eu besoin de charger environ 38,5 MWh pour faire 200 000 km en modèle 3. Il faut se dire que c'est l'équivalent d'environ 3 à 4 jours de production d'une éolienne en France. Côté usage, j'ai principalement chargé sur une borne. Et à la maison avec 52% de mes charges en AC et 48% en DC. Et en DC, forcément, c'est sur des bornes en extérieur. Globalement, on voit que je respecte les bonnes pratiques en limitant ma charge à 80% au quotidien et en allant plus loin que quand j'ai des longs trajets. Et ça, c'est assez facile de le faire quand on a un moyen de recharge relativement puissant à la maison parce qu'on sait que dès qu'on va rentrer, on va pouvoir biberonner et revenir très vite à 80%. Et du côté de la charge rapide, ma Tesla Mate garde historique de toutes les sessions de charge que j'ai pu faire. Là, vous voyez à l'écran la carte euh, de mes différents points de charge, un peu partout en Europe. Et globalement, quand je charge pas à la maison. Ben je charge sur le réseau Tesla. Quand vous avez une Tesla, le réseau Tesla, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Qualité parce que vous avez un max de bornes au même endroit et prix juste parce que, à part quelques exceptions comme IE charge, euh, ben Tesla est imbattable. Et ben justement, on va parler du coût de la recharge. Et on va comparer ce coût de la recharge à ce que ça m'aurait coûté en essence. Je remets dans le contexte, cette voiture, je l'ai depuis mars 2019. Euh, donc, je prends en compte, comme hypothèse, pour pouvoir comparer avec l'essence, un coût moyen de l'essence, entre bah, 2019 et maintenant, euh, un coût moyen de 1,70€ du litre. Certains diront que j'aurais dû mettre plus, d'autres diront que j'aurais dû mettre moins, à vous de voir, je vous donne mes hypothèses. Et ensuite, euh, je me mets dans l'hypothèse d'une voiture qui consomme 6 litres au 100. Et 6 litres au 100, je pense que c'est plutôt favorable au thermique, parce que si je considère une voiture du même type, une voiture aussi puissante, une voiture qui peut descendre sous les 5 secondes du 0 à 100, je pense que, en usage moyen, on doit bien être au-dessus des 6 litres au 100. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Donc, quand on multiplie la distance 200 000 km par la consommation 6 litres au 100 et par le prix 1 litre 70, on arrive à un budget pour 200 000 km en essence de 20 400 euros. Alors, essence, diesel, Bon, voilà, vous avez qu'à ajuster euh, le prix au litre et la conso. Donc ouais, ça fait un beau budget. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en électrique Alors, dans un premier temps, je vais me mettre dans un cas défavorable. Imaginons que je n'ai pas eu de borne à la maison. Imaginons que je n'ai chargé que sur de la charge rapide. Euh, et c'est un petit peu le cas épouvantail parce que on se dit souvent ah bah ben mince, en électrique ça va coûter super cher de me charger si je n'ai pas de borne à la maison. Alors oui forcément c'est vrai, quand on charge sur un chargeur rapide, on va payer l'énergie plus cher qu'à la maison. C'est un fait. Mais je vais me dire que en moyenne en électrique en utilisant le réseau Tesla euh, j'en ai eu pour 35 centimes du kilowattheure, en moyenne. Donc ça, ça m'amène à un budget électricité de 13 500. Et je vous dis que ça, c'est dans un cas très pénalisant. C'est en me disant que je charge à 100% à l'extérieur. Donc même dans ce cas-là, on voit que j'arrive à faire un gain de près de 7 000 euros. Mais je vous l'ai dit, de mon côté, j'ai principalement chargé à la maison. Avec, je vous le rappelle, 52% des recharges en AC. Mon cas est un peu particulier parce que j'étais en copropriété et du coup je ne pouvais pas choisir l'abonnement adapté à la voiture électrique. Et dans mon cas, encore une fois défavorable, j'ai compté pour la recharge à la maison un budget de 17 centimes du kilowattheure. Et dans ce cas-là, on arrive à un budget électrique de 9300 euros pour parcourir 200 000 km. Et ça, ça nous ramène à une économie d'environ 11 000 euros par rapport à l'essence. Si j'avais chargé encore plus à la maison, euh, et si j'avais eu le choix de mon contrat d'énergie, j'aurais pu faire encore plus d'économies. Et je pense que j'aurais pu économiser entre 13 et 15 000 euros par rapport à l'essence. Ce point économique, il est vachement important. Vous avez sûrement vu ma vidéo sur ma panne de batterie, à peine sortie de la garantie, et qui m'a coûté 13 000 euros. Donc cette expérience, c'était le pire du pire de l'électrique. Et ce qu'on voit, c'est que dans le pire du cas de l'électrique, on arrive quand même à être à l'équilibre, voire moins cher que du thermique. Mais le côté économique, c'est pas tout, euh, parce que si on doit perdre beaucoup de temps pour recharger quand on fait des longs trajets, ben ça ne le fait pas. Donc on va parler maintenant de vitesse de charge. Déjà, je vais vous prévenir, la, la vitesse et donc la puissance de charge, ça dépend de votre voiture. Mais ça dépend aussi beaucoup du chargeur sur lequel vous venez vous brancher. Si vous avez une Tesla et que vous chargez dans le réseau Tesla, a priori, vous pouvez être en confiance, ça devrait bien se passer. Sachez quand même qu'il y a plusieurs générations de chargeurs. Vous allez retrouver le V2 où vous avez deux connecteurs différents. Ce V2 est limité en puissance et surtout ce qui est embêtant avec celui-ci, c'est qu'il partage la puissance entre plusieurs voitures. Ce qui fait que quand vous arrivez dans des heures de rush, euh, vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter du maximum de la capacité de votre voiture. Ensuite, vous avez le V3. Euh, ce qui s'est amélioré avec le V3, c'est la puissance maximum qui dépasse les 250 kW. Donc, c'est très, très rapide en pointe. Mais ça ne dure pas longtemps, cette puissance maximum. Mais le gros avantage avec la V3, c'est de pouvoir être de nombreuses voitures à charger en même temps, sans se gêner les uns les autres. Et ça, c'est top. Et vous avez le V4 qui commence à se déployer. Celui-ci, en devenir, aura encore de capacité de puissance, il vous permet toujours de tirer un maximum de puissance quand vous avez plusieurs véhicules chargés en même temps, mais surtout il améliore l'expérience pour les véhicules des autres marques avec un câble de charge plus long qui permettent euh, aux voitures de différentes marques avec des ports de charge à différents endroits de charger beaucoup plus facilement. Alors voici à l'écran la heat map de mes, de, de mes charges euh, relevée avec Tesla Mate. C'est pas facile à interpréter, mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, l'expérience recharge est bluffante. Dans mon usage au quotidien sur les chargeurs Tesla, ça m'est plus souvent arrivé... De devoir faire attendre la voiture. Donc ça veut dire que la voiture me disait "Ça y est, je suis prêt à continuer le trajet", alors que moi j'étais encore en train de faire la queue pour aller aux toilettes, ou en train de manger un bout, ou être en train de m'amuser avec les enfants. Donc ça c'est vraiment mon cas réel. En 200 000 km, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas ressenti la charge comme un poids qui m'empêchait, qui m'entravait dans mes déplacements. Par contre, je vous l'accorde, c'est un peu d'organisation. Je vous donne un exemple. Session de recharge sur le superchargeur V3 du Mans. Je suis arrivé avec 5% de niveau de charge et je repars avec 84% de niveau de charge en 28 minutes. Et il et, et faut se dire que ça c'est un cas atypique. Je chargeais pendant le petit déjeuner. Il était tôt le matin euh, et je n'avais pas besoin de 84%. J'aurais pu m'arrêter bien avant ça. Et en plus c'était un trajet pendant l'hiver. Il faisait 7 degrés. En réalité, sur mes 200 000 km, mes sessions de charge se sont limitées à 15 ou 20 minutes et généralement je pouvais quitter la charge avec seulement 70% de niveau de charge. C'était suffisant pour pouvoir continuer le trajet. Je viens de vous parler d'un exemple de charge faite en hiver et ça c'est un sujet qui peut inquiéter certaines personnes. On a peur que l'électrique se soit adapté à l'été mais pas à l'hiver. Et ça, c'est faux. Voici un zoom sur mes historiques de charge rapide par temps très très froid. Et dès la première ligne, on voit que par moins 5 degrés, j'arrive tout de même à atteindre une puissance moyenne de 125 kW. C'est vraiment génial par moins 5 degrés. Et si on prend cet exemple-là, on voit que le contexte est loin d'être facile. Je suis arrivé à Avalon sur le superchargeur V3. Tesla euh, et je suis arrivé à 5h du matin. Ça veut dire que l'équipement était à froid, que personne n'avait chargé juste avant moi. Donc je suis dans le cas du pire du pire du creux de l'hiver, avec moins 5 degrés, et ça marche sans aucun souci. Et ça marche du premier coup et ça marche avec une bonne puissance. Donc oui, l'hiver, vous allez consommer un peu plus, mais niveau charge, aucun souci à vous faire. Et les problèmes, me direz-vous Est-ce que c'est magique Est-ce qu'il n'y a jamais de problème Bah ben écoutez, sur le réseau du supercharge Tesla, j'ai eu deux problèmes en 200 000 km. Le premier problème, c'est celui qui m'a le plus impacté. C'était en je crois mai 2019. Euh, C'était sur le chargeur de Il était deux ou trois heures du matin. J'arrive, je me branche, et là je vois que la charge est à 1-2 kW et s'arrête. Alors forcément j'essaye les différentes bandes de charge. Euh, alors qu'il est, je peux vous dire qu'elles étaient toute libre, rien du tout. Même chose sur tous les chargeurs. Et il se trouve que c'était une nuit orageuse, il y avait de la pluie, donc pas des conditions idéales. Et c'était la phase pendant laquelle Tesla était en train de faire les, les mises à jour des chargeurs pour rajouter la prise CCS. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais mon problème, Tesla n'a pas pu le résoudre. J'ai appelé l'assistance cela j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu en anglais, qui a réussi à me guider, euh, à me guider vers les bornes autour qui, qui étaient fonctionnelles. Donc j'ai pu en trouver, j'ai pas été euh, complètement bloqué. J'ai juste été ralenti dans mon voyage. Donc ça, ça m'est arrivé une fois. Et deuxième problème, c'est arrivé plus récemment. J'arrive la nuit, il est environ 4 heures du matin sur un superchargeur V4. Donc je suis hyper confiant, je me dis que encore une fois, ça va super bien se passer. Je branche, ça marche pas. J'attends un petit instant et je vois qu'en fait, tout les bornes sont en train de redémarrer. Et je pense juste que je suis arrivé pile au mauvais moment et qu'il y a peut-être une mise à jour qui était en train de se faire. Donc là, j'ai attendu juste deux minutes et quand les bornes ont redémarré, j'ai branché, ça a fonctionné. Donc ça, ce sont les deux seuls gros problèmes que j'ai pu avoir avec des superchargeurs en 200 000 km. Après... Ça peut arriver que quand vous branchiez sur un superchargeur, que vous plafonniez à 30 ou 40 kW. Ça m'est arrivé. Et dans ces cas-là, en changeant de borne, ça repart plein beau. Mais là, je vous parle vraiment de cas anecdotiques. Au quotidien, ça passe crème. Maintenant, la charge AC. Ben, disons que dans la plupart des lieux, la charge AC, ça marche super bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une borne à la maison, une prise ou une prise renforcée. Ça va faire l'affaire. Par contre, il faut quand même faire attention parce que si vous prévoyez de charger à destination chez des amis qui sont dans une maison peut-être un peu ancienne avec de l'électricité pas forcément en norme, il faut savoir que vous pouvez avoir des bugs de charge. Si la mise à la terre n'est pas conforme, si l'installation n'est pas 100% conforme, il se peut que votre voiture refuse de charger pour des conditions de sécurité. Il faut juste garder en tête que si la maison est un peu ancienne, il peut y avoir des surprises. Vous l'aurez compris, mon expérience recharge sur 200 000 km en modèle 3 est top. Alors, ça vous a donné envie de vous laisser tenter par la modèle 3 Ok. Par contre, juste avant, prenez soin de bien faire attention à votre moyen de charge du quotidien. Si vous habitez une maison avec la possibilité de charger, pas de souci. Je vous l'ai dit, la borne de recharge n'est pas indispensable. C'est un confort. Ça vous permet de bénéficier des meilleures heures de recharge et ça vous permet d'être hyper flexible et dynamique dans vos usages. Mais avec une simple prise renforcée, vous faites déjà très, très bien le travail. Si vous êtes en copropriété, ça ne veut pas dire que l'électrique n'est pas pour vous. Je vous rappelle que j'habitais dans un immeuble, donc en copropriété. Et il y a des solutions pour ça. Et si vous êtes dans un cas particulier où la borne ne peut pas être posée, dans l'immeuble, bah vous pouvez aussi vous reposer sur le réseau de charge qui est autour de vous. Alors avant, vous pouvez utiliser une plateforme comme ChargeMap pour aller vérifier la fiabilité de la borne, regarder les commentaires, voir s'il y a des retours de bon fonctionnement ou éventuellement des retours récurrents de panne. Et enfin, vérifier le coût de la charge, parce que pour le quotidien, il faut vraiment une charge à pas cher. Et si toutes les conditions de la recharge du quotidien sont réunies, vous pouvez commander votre Tesla en passant par mon lien de parrainage dans la description de la vidéo, en faisant des économies et en me récompensant. Je vous dis à la prochaine sur Nuages Magiques.